Zet, 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 Hallelujah. Ok, les amis, on va la faire en drill. Tout le monde comme ça. Tout le monde, ça. 1, 2, 3, et samba, ciao, tesso. Tout le monde. Manana, naosai, tupunieri. Samba, ciao, tesso. Toute la jeune chante. En pianifie nous quoi là. Attends, gaz. Parler à rien. Tout le monde. Samba, ciao, tesso. Ok. Put your hands up. Put your hands up. Put
Put your hands up. 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 Alléluia. Avant qu'on te comme enfant tout petit. Alléluia. Alléluia. On a tes antiquité. Donc pour la éternité, c'est soumis à nous. Donc pour la touche, si que tu as comment c'est ça, c'est un fanatique. Il y a venir en nous, puis tu as l'attendre en tout, puis j'ai. C'est métier, il y a une oreille. Et c'est ça, c'est ça, il y a une oreille. À sa m'tire, il y a l'oufette, il y a A to vtena favaka personel antima wano se so smizu A rots of tun so De hesano se so sinjai A mi chano fiano no Yo tunk se so sinjai Chakuja nemu bai hecha ni fiai na ku e on pena tana hana kuwa ture Fa kai ten vet si kai tse so mi no na Tse so mi no na Tu te ina,
Saka, je t'adore. Saka. Seigneur, nous appelons le nom au-dessus de tout nom, au-dessus le nez maladie, au-dessus la corruption, au-dessus les malédictions. Nous voulons appeler le nom de Jésus. Lorsque nous disons le nom de Jésus, les amis, les ténèbres tremblent. C'est comme si on mettait un coup de poing dans le camp de l'ennemi. Et lorsque nous allons dire Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Madagascar a besoin de toi, Jésus. Et nous sommes là pour toi. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut faire comme un haut de victoire? Oh! C'est notre cri de guerre. Satan, écoute ça. Tu n'as aucun droit sur Madagascar. Que toute la jeunesse chante haut. Tout le monde chante haut.
restauré. Sois restauré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré de toute forme de maladie. Sois délivré. Sois délivré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom avec moi. De Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Appelons Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de nous t'appellerons roi des rois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Protégé de toute forme d'attaque. Sois apaisé dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Sois purifié. Sois purifié. Sois sanctifié. Sois sanctifié par le sang de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey. Au nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu prends autorité maintenant. Au nom de Jésus. Voilà, dit, tu pars. Sida, tu pars. Cancer, tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as plus aucune autorité sur Madagascar. Tu pars au nom de... Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous savez, Pierre, dans la Bible, Pierre, sa belle-mère était malade. Jésus est arrivé. Il a menacé la maladie, nous dit la parole de Dieu. Et à l'instant, la maladie est partie. Et nous allons prendre autorité sur toute forme de maladie. Quel que soit le nom de ta maladie, la dépression, le sida, le cancer, même la grippe, les maux de tête, les maux de dos, qu'importe, nous prenons autorité maintenant dans le nom de Jésus. Ok. Tom, on prend autorité maintenant. Dépression, dépression, tu vas t'en aller. Tu es vaincu maintenant. Aller. Dans le nom de Jésus. Nom tu as qu'une autorité Jésus. Sur Madagascar dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de tout ça. Jésus. Maladie sur ta famille, maladie. Sur toi. Tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sana yana, Sana yana, Mare Jana, Mare Jana, Om Yenara
Les amis, on va faire une dernière chose. Vous savez, vous êtes déjà guéris. Parce que Jésus à la croix a pris vos péchés. Et je pense qu'il vous a déjà guéri. Il suffit maintenant de l'accepter. Accepter la guérison. Même si c'est un processus. Tu cites juste après moi. Pose ta main sur ton cœur. Je suis guéri. Je dis ça pour ta famille. Je suis restauré. Je suis restauré. Dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Je suis libéré. Je suis de toute forme d'addiction. De toute forme d'oppression. Tu es délivré. Je suis délivré. Parce que Jésus à la croix a pris ton péché. Dans le nom de. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est un cri de victoire. Seigneur, c'est un cri de guerre. Oh Seigneur, ce n'est pas seulement un haut. C'est un haut contre le camp de l'ennemi pour dire que nous avons gagné. Parce que nous sommes plus que victorieux en Jésus. Alléluia. Une dernière fois, oh, oh, oh. C'est le cri de guerre de la jeunesse de Madagascar. Satan, tu n'as aucun droit sur mon pays. Et tu dégages dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun droit. Jésus, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on peut dire Yeshua? Yeshua! 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 Alléluia! Alléluia! Oh Yeshua! Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Alléluia! Yeshua, nous t'honorons, Yeshua, sois glorifié, Yeshua, sois honoré. Oh, parmi tes milliers et tes milliers, est-ce qu'on peut acclamer son nom? Yeshua. Be loved.
Présent et ton naïa qui est
tu gas venao va giunio l'altra da yav tu gas venao faramasno faramasno ilai quenao faramasno va giu intaya faramasno tena ilai quenao yaga fikenao anadin reta yo kekenao anao le ira diak piu masnao mama kenao antemant mama kenao manuka na temant antwan mama kenao manuka na temant trika bare si di baka mama kenao manuka na temant antwan falam tena no tsia din nenao ar miantsy nenaranao izy antwan miantsy nenaranao maria izy antwan miantsy nenaranao yanza izy antwan miantsy nenaranao izy tuts antwan miantsy nenaranao izy Quante marcia me la lanfana Manatrika antsika eto Jesosy
Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever les deux mains? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là? Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus? Dis Jésus! Dis Jésus, acclame et pousse un cri de joie. Alléluia. Nous sommes heureux d'être là et nous voulons encore dire merci au pasteur Salomon qui nous reçoit. On peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Salomon qui est le père de cette maison. Alléluia. Et nous voulons aussi acclamer le Seigneur pour le pasteur Élie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le pasteur Élie? Merci pour cette jeunesse rassemblée.
Aujourd'hui, tu vas recevoir une portion extraordinaire. Dis-moi Amen. Aujourd'hui, tu vas aller à un autre niveau. Dis-moi Amen. Amen. Le Saint-Esprit va te propulser à un autre niveau. Dis-moi encore Amen. Amen. Et nous avons la joie de recevoir ici une personne exceptionnelle, un véritable serviteur de Dieu. Il est jeune comme vous. Alléluia. Alléluia. Parce que la jeunesse est juste une question de mentalité. Alléluia. Alléluia. C'est un père, c'est un serviteur extraordinaire. Et le Saint-Esprit va vous le présenter. Est-ce que la jeunesse, on peut acclamer le Seigneur et accueillir l'apôtre Yvan Castanou? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Les jeunes, un peu plus fort. Est-ce qu'on peut sauter, sauter, sauter? Est-ce qu'on peut sauter, sauter, sauter? En bas vertical, Yeshua. Étends ta main. Sakam ta main. Sakam ta main.
Père. Il est écrit dans ta parole que quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom de Jésus, sera sauvé, libéré, libéré, secouru, relevé, restauré, rétabli, repositionné, redimensionné, réparé, redressé, redimensionné. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri, sera relevé, sera secouru, sera transformé. Quiconque invoquera, appellera le nom de Jésus, ne sera pas dans la confusion. Il ne sera pas couvert de honte. Cet après-midi, que la honte quitte ta vie, que la détresse quitte ta vie, que l'embarras quitte ta vie, que le bras des méchants, les esprits de limitation, les esprits de pauvreté, les esprits d'échec, les esprits de rejet, les esprits d'enfoutement, les esprits d'enchantement, tout ce qui t'a enfermé, tout ce qui t'a limité, aujourd'hui quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie. Je déclare que les prisons intérieures, les forteresses qui avaient emprisonné l'espérance, la vision, l'audace, le courage, la foi, la consécration, les prisons qui t'avaient enfermé sont brisées aujourd'hui. Qu'elle tombe aujourd'hui. Je déclare, là où tes yeux avaient été fermés, là où tes yeux avaient été voilés, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Là où ton homme intérieur avait été affaibli, là où ton esprit avait été affaibli, alors que la parole dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je déclare, jeunes gens, ceux qui t'avaient affaibli par la main du Seigneur, le glorieux Saint-Esprit, toute faiblesse de ton esprit, de ton âme, de ton corps, te quitte maintenant, te quitte maintenant, maintenant. Que l'esprit de force, que l'esprit de hardiesse, que l'esprit de courage vienne sur toi. Viens sur toi.
keto sakapara katu sekepara. Shekepara koto sekepara kato se. Mado kepara tisakapara. Cet après-midi. Anutulaka. Je prie. Varaka. Que la main. Fantanana. La main du Seigneur. Nitanantump. Qui m'a fait sortir. Zainab Voka. Des prisons de sorcellerie. Des prisons de pauvreté. Des prisons de maladies générationnelles. De malédictions générationnelles. Je déclare que la main qui m'a localisé et qui a fait sortir ma lumière vient sur toi. Qu'elle va sortir ta lumière. Qu'elle va sortir ta lumière. Je t'annonce cette semaine tout ce qui t'avait enterré, tout ce qui t'avait enfermé, tout ce qui t'avait attaché, cette semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, samedi, tout ce qui avait attaché ton histoire, tout ce qui avait attaché ton potentiel sera jugé cette semaine. C'est de ce matin. Je parle dès maintenant aux hôtels de pauvreté, aux hôtels d'échec, aux hôtels de découragement, aux hôtels de cécité, tout ce qui avait paralysé et qui avait dit ton histoire sera comme celle de tes ancêtres. Là où ils se sont arrêtés, toi aussi tu t'arrêteras. Je vous annonce cette semaine, c'est la semaine de sa sortie, c'est la semaine de sa délivrance. Je viens de la part de mon grand frère. Je viens de la part de mon grand frère. On l'appelle Jésus le Christ. Je viens annoncer. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir d'abord annoncé. Et la raison pour laquelle Dieu annonce, c'est pour qu'il n'y ait pas de surprise. C'est pour que tu ne dises pas que c'est le hasard. La raison pour laquelle Dieu annonce, c'est pour donner un délai au serpent. Au serpent qui avait mordu ta vie. C'est pour leur donner un délai. De dégager. Pendant qu'il est temps. À partir de demain. Ça sera trop tard. À partir de demain. Ça sera trop tard. Il faut lâcher maintenant. Il faut lâcher. Avant minuit, il faut l'être assis sur cette jeunesse pour empêcher sa lumière de briller, pour l'empêcher de se lever et de briller. Je suis venu par les compassions de Christ. Aujourd'hui, vous exhortez, vous priez de quitter, de dégager. À partir de demain, il n'y aura plus d'avertissement. À partir de demain, ça sera le jugement. Aujourd'hui, c'est l'invitation. C'est l'exhortation. C'est
la supplication. Antoine bola mangata kazrewa. Pour que vous lâchiez cette jeunesse. Assez. Des prodiges vont sortir de cette jeunesse. Des miracles vont sortir de cette jeunesse. Des signes vont sortir de cette jeunesse. À la gloire et à la louange. Aguan fiderana. Il est écrit dans ta parole. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Abba Père, Abba Rayo, cette semaine, tu vas envoyer. Et tu vas confirmer ta parole. La main qui m'a fait sortir va faire sortir cette jeunesse. On ne pourra pas l'étouffer. On ne pourra pas l'enfermer. Et son passé ne sera pas son futur. Abba Père, j'ai parlé. Et il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors merci de ce que cette parole sera établie, constatée. Pas la semaine prochaine. Pas le mois prochain. Pas l'année prochaine. Mais cette semaine. Jeudi, vendredi, samedi. C'est trois jours. Jeudi, vendredi, samedi. C'est trois jours. Au bout du troisième jour, avant le troisième jour, ta destinée sera relâchée. Avant le troisième jour, ta lumière sera relâchée. Avant le troisième jour, les murailles qui avaient enfermé ta vie, tu les chercheras. Tu ne les trouveras plus. Ceux qui avaient dit tu ne passeras pas, tes parents ne sont pas passés, ils n'ont pas réussi, tes frères et tes sœurs ne sont pas passés, ils n'ont pas réussi. Je t'annonce que toi, ton cas est différent. Je suis venu te faire passer. Je suis venu te faire passer. Il y a une main. Il y a une main. C'est la main qui a divisé la mer rouge en deux. C'est la main qui a brisé le crocodile. C'est la main qui a humilié Pharaon. C'est demain.
te localise cette semaine. Écoute-moi. Alléluia. Je ne parle pas de la semaine prochaine. Je parle de cette semaine. Ta vie change cette semaine. Ta destinée est relâchée cette semaine. Je vois des lumières qui avaient été cachées sous la table. Cette semaine. Une main invisible te prend là où on t'avait caché. Elle te fait sortir. Madagascar entendra parler de toi. La francophonie entendra parler de toi. Quand on voit ta vie, tu es comme le démoniaque de Gadara. Un homme bien. Un homme prometteur. Un homme de destinée. C'est dans Marc chapitre 5. C'est dans Marc chapitre 5. Je crois que c'est Marc 5. Marc 6 ou 5. Marc 5. Son histoire est dans Marc 5. Un homme qui avait été pris en otage. La Bible dit que c'était un homme de la ville. C'est quelqu'un qui avait commencé dans une famille. Mais un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a été frappé. Il a été victime d'une transaction spirituelle. Il est devenu fou. Il s'est déshabillé. Et puis il a quitté sa maison. Il est parti habiter dans les cimetières. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il passait son temps à crier et à se faire du mal à lui-même. Il ne faisait pas exprès. Il avait été réquisitionné. Il avait été enfermé. Is the void réquisitionné par Satan. Is the rising Satan again. Et quelqu'un avait bâti un hôtel satanique. Agnisula nanangana altar satanique. Pour s'emparer de son intelligence. Bafana maka ni faganita tsaina. Pour s'emparer de son potentiel. Bafana maka yankun faiza manan. Pour s'emparer de sa lumière. Bafana maka yankun faiza van. De son étoile. Ni kitan. Et cet homme agulelayo avait une destinée. Yulelayo nananzaka votent. Mais son intelligence a été prise en otage. Fan faganita tsain de nisnak. Son futur a été pris en otage. Ni waven ni snak. Prometteur. Un homme de la ville, censé être instruit, mais sa destinée a été kidnappée. Je vois une jeunesse prometteuse avec un immense potentiel, mais qui a été attachée, prise en otage. Et qui est à l'intérieur de son cœur. Comme l'homme de Gadara. Crie au-dedans. Elle crie au-dedans.
La Bible dit que cet homme criait. Il se meurtrissait. Il était abattu. Et il criait. 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 Il y a quelqu'un ici qui crie de l'intérieur. J'en ai assez de cette vie. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Ce n'est pas ça que Jésus a prévu pour moi. Mais il était otage de 6000 démons. Une légion. C'était 6000 démons. Il avait la volonté. Mais il n'avait pas la capacité de se libérer. Alors à force de crier, un jour, Jésus, de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du lac, Jésus a pris ses disciples et la Bible dit qu'il les a obligés à rentrer dans la barque et leur a dit, allons de l'autre côté. Mais normalement c'était une erreur. Parce que Gadara, ou Gerasa, ça dépend, Luc ou Matthieu, ou Luc ou Marc disent Gadara ou Gerasa. C'était un territoire païen. Et Jésus n'était pas venu pour les païens. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les païens. Il devait venir après, à travers les apôtres. Mais quand il est venu, il est venu pour les brebis perdus d'Israël. Il n'est même pas venu pour les Samaritains. Il n'est pas venu pour les païens. Mais il a fait une exception au règlement. Parce que ma Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'homme de Gadara n'était pas dans l'agenda terrestre de Jésus. Mais il a fait une exception. Alors il a pris les apôtres. Allons de l'autre côté. Et Pierre a dit. Mais normalement on doit aller là-bas. Tu es venu pour le peuple d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. L'Esprit me dit. Il a entendu le cri de quelqu'un. Il a entendu le cri d'une jeunesse. Alors il a dit, parce que le combat est rude. Alors il a levé un peuple hors de Madagascar. 300 missionnaires qui ont traversé de l'autre côté pour venir en renfort. La bataille est trop rude. Vous avez besoin de renfort. L'église de Madagascar, tu as besoin de renfort. Il me dit de te dire qu'il nous a fait traverser parce qu'il a entendu tes cris. Et 3 jours seront suffisants pour ta résurrection. Ça n'attendra pas la semaine prochaine. Si tu te connectes et que tu viens et que tu invites les gens avec la soif, avec le ras-le-bol,
Assez, c'est assez. Cette semaine, c'est la semaine de ta délivrance. C'est la semaine de ta manifestation. C'est la semaine de ta résurrection. C'est la semaine de ta relâche. C'est la semaine. Oh, une main invisible. Oh, mistana na tsita mash. Va redresser ta destinée. Isne anangani ndray nzaka votendro anao. Et la propulser au nom de Jésus. Ari ampiepita na wanoske nom ny anaran Jesus. Mais c'est aussi la semaine. Fa itiko de ernand. Où tout ce qui t'avait enfermé. Zinaina na inna na nakata na nidi nao. Enfermé ton potentiel. Na nidi ny erzika wanatao. Enfermé ton amour. Enfermé ta vision. Enfermé ta richesse. Enfermé ta splendeur. Toutes les voix qui avaient parlé et qui avaient dit cet enfant, cet homme, cette femme n'ira pas plus loin que ses parents. N'ira pas, ne brillera pas. Je suis venu te dire que les geôliers de ta vie, les geôliers, les gardiens de prison, cette semaine, seront jugés. Seront châtiés, seront brisés, seront fracassés. Écoute-moi, quel que soit l'esprit de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement, quel que soit leur nombre, tous les esprits méchants de Madagascar, même quand ils vont se mettre ensemble pour dire tu ne sortiras pas, je viens te dire tu vas sortir cette semaine. Tu vas sortir cette semaine. Pas la semaine prochaine. Cette semaine. Je t'annonce le menu de Dieu. Je suis en train de te donner l'apéritif du Saint-Esprit. Assez, c'est assez. Ils ont dit. Est-ce que je les entends? Ils n'iront pas plus loin que leurs parents. On a cadenassé, on a enfermé les parents. Et aussi on les a enfermés. Aujourd'hui, Antoine, c'est l'exhortation. Antoine ne fait pas raison. C'est pas à toi que je parle. Je parle aux entités qui se sont assises sur ta vie. Je parle à ces géants qui étaient assis sur ta vie. Et ils disaient, tu vas tourner en rond. Tes parents étaient pauvres. On t'appellera pauvre. Je suis venu t'annoncer que tous ces gardiens de prison, cette semaine, non seulement toi tu sors, ce n'est pas suffisant. Les geôliers, les gardiens de prison, seront châtiés. La pauvreté qu'ils avaient envoyé sur les gens, cette pauvreté va venir les habiller. Cette semaine, la mort
qu'ils avaient programmé cette semaine, la mort va rentrer dans leur propre maison. Dans le nom de Jésus. Si c'est à toi que cette parole est venue, ton amen comme le tonnerre. Abba Père, nous te remercions de ce que c'est ce que tu vas faire par l'année prochaine de cet instant. Alors aujourd'hui, il y en a qui vont comprendre et libérer ta vie parce qu'ils sont intelligents. Il y en a qui vont dire non. Tu es qui toi pour me parler comme ça? Je viens de la part de mon grand frère. On l'appelle Jésus. Un jour, ma voisine m'a appelé. Elle est aussi religieuse. Mais elle n'est pas évangélique. Elle est le traditionnel. Et puis elle m'a dit, ma fille de 6 ans n'arrive pas à dormir. Elle voit des serpents toute la nuit. Est-ce que tu peux prier pour elle? Je lui ai dit, mais il faut l'amener à l'église, là où tu vas. Elle m'a dit, je l'amène à l'église. Mais le prêtre m'a dit d'aller voir le psychiatre. Fandi lei prêtre le mo pega tant en tant que dans ma canne psychiatre. Alors je l'ai amené chez le psychiatre. De net que tant en psap ça. Et le psychiatre m'a dit de labourer des médicaments. De psap ça. De la shooter au médicament. Ni psap ça na mer na sphère fan foot PDP. Mais dès que le médicament passe. Fage fa vite lei. Elle voit les serpents la nuit. De ma ita people avant raise nyal. Elle n'arrive plus à dormir. De ma vite ma tourmit. Elle a peur. Ma tawatis. Il dit en bon. Et vous dites, ah, le diable est méchant. Ah, t'es na masique n'est des fous. Un enfant de 6 ans. Ça, ça y est ton. Il n'a aucune élégance. T'es na tsimba gentleman, tsimba ou la matraque. Il est cruel. T'es na matraque, n'est ma sique. Alors je lui ai dit, de où est-ce que tu as? J'étais en Guyane. T'as été en Guyane. Alors je lui ai dit, appelle-moi le soir. De où est-ce que tu as? Je vais parler. Il t'en a. Je vais pas prier. Ça, tu vas, va, je vais parler. Fait, il t'en a. Au téléphone. Téléphone. Alors elle a appelé le soir. Et puis j'ai parlé. J'ai dit, mais dis-moi, tu es qui toi? Qui tu empêches cet enfant de dormir? Les serpents, c'est quoi? Vous faites quoi là? Il est un enfant de 6 ans. Ça, c'est quoi? Il est serpent. Biblav. Aussi nombreux que vous êtes. Je vous dis, si vous ne quittez pas maintenant, je vais vous écraser. Il faut partir maintenant. Je vous commande. Dégagez. Ne revenez plus la tourmenter. Je prends cet enfant. Je la mets sous ma protection spirituelle. Je la cache derrière moi. Désormais, serpent, aussi nombreux que vous êtes, pour l'atteindre, il va falloir venir ici. J'ai dit, celui qui à partir d'aujourd'hui va entrer dans ses songes. Je t'attrape. Je te brise la nuque. Je t'écrase la tête. On ne te trouvera plus jamais dans sa vie. J'ai parlé.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Et puis j'ai fini. Et deux jours après, je me suis souvenu que j'avais prié pour la fille. Mais la maman ne m'a pas donné de nouvelles. Alors je l'appelle. Je lui demande, mais en fait, comment va ta fille? Elle me dit, oh, elle va bien. Elle dort bien. Il n'y a plus de cauchemar. C'était quand? 2018. Je l'ai revu à l'église. Il y a trois semaines. Elle n'a plus jamais eu le moindre cauchemar. Il y a les derniers 48 heures. C'était quand? Une semaine? Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. On a eu nos 48 heures de prière non-stop. Et à la fin des 48 heures, le Saint-Esprit a mis le bazar. Dans le camp de l'ennemi, c'était grave. C'est ce qui va se passer pendant cette semaine-là. Alors, à la fin de la prière, l'Esprit a soufflé. Il y a eu des miracles, des prodiges, des signes. Mais on a fini la prière. Et puis, on m'appelle. Il y a un de mes pasteurs qui m'appelle. Il me dit qu'il y a une fille de 12 ans. Qui a des manifestations qu'elle n'a jamais eues. Il y a un serpent qui l'agite comme ça là. Ils ont passé une heure et demie à chasser l'esprit là. Elle n'arrêtait pas de bouger. Et puis elle tape au sol, elle est en train de faire mal à l'enfant. Une heure et demie. Et je te parle de mes pasteurs qui sont loin. Qui ont la puissance. Une heure et demie. La fille ne revient pas à elle. Elle n'arrive pas à marcher. Alors il a fallu prendre le pasteur et puis son père ont dû la soulever. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut te l'emmener? J'ai dit, j'étais en train de manger une salade de fruits. J'ai dit, emmenez-la. Alors je vois, ils rentrent dans mon bureau avec l'enfant, tu vois. L'enfant, tiens, vas-y. Non, Il y a quoi? Mais pourquoi tu parles pas? Famanine non semte. Il n'a rien de lui. Tu parles pas pourquoi? Semte non famanine. Et puis la fille, les yeux de la petite. J'ai fini d'abord ma salade de fruits. J'ai fini ma salade. Pardonnez-moi, il fallait que je finisse d'abord la salade. Et puis après, je me suis levé. J'ai dit, mais pourquoi tu parles pas? Tu es qui? Il parle pas. L'Esprit ne dit rien. Alors j'ai dit, il faut partir au nom de Jésus. Et puis, elle bouge, j'ai dit, j'avoue. J'ai prié 20 minutes. Ça va faire pour
Elle bouge. Fuck, t'es mieux. Un enfant de 12 ans. Ça, ça gomme full ton. Mais tu n'as pas pitié des enfants. Fais non, viens voir tes mecs malades. Ils sont pas sortis. Tu mets ton fuck. Ils sont pas. Tu me fuckes. Bon, j'ai dit, amenez-moi lui. De vous jamais. Bon, ouais, toi tiens les dilutes. Mante brodosika para, faites venir mon huile. Je vais amener le feu liquide. J'ai du feu. Cette pendant les trois jours, tu vas goûter au feu liquide. De vous jamais, ils allaient diluer. Les diluer quoi? Amenez-moi le feu liquide. Ambient carran. Je vais te montrer. J'ai dit. Il y a une ambient carran. Tu vas pas sortir. You're not safe, fuck. Je sais pas qui c'est. Tu fais de l'argent, non? Tu fais de l'argent. Et puis il bouge, il bouge. 20 minutes, j'ai parlé. Je vais dire 20 minutes, j'ai crié, ils sont pas. Go pull me nitram kiki kiki, what's up, so what's up, fuck is? Et ma voix était fatiguée. Derrière, quand faire? Il dit, écoute. Ça, c'est pas un petit démon. Vous avez un tiers de vulgaire. Ça, c'est un esprit humain. Fatia, fananul. Quand c'est ça là, c'est pas un petit démon. Un tiers de vulgaire. C'est un esprit humain. Fa fananul. Ça veut dire que c'est l'esprit qui travaille avec un maître mystique, un occultiste, un sorcier. Je t'explique. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Vous pouvez vous asseoir. Pouvez-vous asseoir. Sinon, on va prêcher ensemble debout. Alors, oui, l'esprit humain. Quand je suis né de nouveau, le Saint, la Bible dit que l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu sont devenus un. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand un sorcier donne sa vie à un démon, lui et le démon deviennent un. Est-ce que quelqu'un me suit? Et du coup, il y a des gens qui prient pour la personne et l'esprit qui travaille, qui est un avec la personne. Par exemple, what? Si la personne s'appelle Judith, exemple. What? Si ta grand-mère s'appelle Sophie, what? Et qu'elle est sorcière, et qu'elle travaille avec des démons, tu as dit quoi là? Pense. Hein? Pense. Donc, si ta grand-mère s'appelle Sophie, les démons avec lesquels elle travaille, les démons qu'elle adore, ils sont devenus un dans le monde spirituel. Alors on va prier pour Elisabeth, qui est sa petite fille. Et puis quand tu chasses, quand Elisabeth manifeste, si tu commandes, pas tout le temps, mais des fois, l'esprit qui se manifeste, tu es, mais toi tu es qui? Dis-moi, je suis Sophie. De où si tu es Sophia? Mais ce n'est pas l'esprit de Sophie. C'est l'esprit qui a fusionné avec Sophie. C'est ça qu'on appelle un esprit humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces démons-là, ils sont têtus. Ils sont tenaces. Parce qu'ils ne sont pas rentrés par la chair. Ils sont rentrés par les liens de sang. Ils sont rentrés à travers des alliances. Ils sont rentrés parce qu'il y a un ancêtre, il y a un parent qui a dit, moi, je donne mes enfants. Ils ont fait ça, donc la grand-mère Sophie a dit, moi je donne mes filles. Je donne leur mariage. Ça veut dire que Elisabeth, la fille là, ou la petite fille, est attachée. Elle pourrait avoir des copains. Manana copains, sip.
Mais si elle veut se marier, non, elle pourra pas. Parce qu'ils l'ont attaché. Parce qu'il y a eu des alliances. Il y a eu des pactes. Il y a eu des hôtels qui ont été dressés. Et des prisonniers qui ont été attachés à cet hôtel. Ces démons-là sont très têtus. Ah, ils sont très têtus. Et c'était le cas pour la petite là. Et ils sont orgueilleux. Quand tu les chasses, parfois ils vont faire comme ça. Tu dis au nom de Jésus, sors. Et puis parfois ils croisent la jambe. Tu dis, hein? Ça c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'était le même genre de démon. Je t'annonce que tous ces esprits humains qui étaient assis sur ta vie, cette semaine, j'ai pitié d'eux. Il y a une voix qui a dit dans le monde invisible, la voix du sang de Jésus-Christ a dit à ton sujet, maintenant ça suffit, assez, c'est assez. Enfin bref, j'ai fini mon histoire. Non, pasteur, j'ai prié 20 minutes. Moi, je voulais être gentil. Oui, non, c'est ça en fait. À un moment donné, j'ai dit, bon, tu sais, ça c'est un esprit humain. J'ai dit, bon, tu sais, ça veut dire que derrière l'esprit là, il y a quelqu'un qui est là, qui est vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui est vivant et qui passe son temps à faire des prières pour attacher les gens. Alors j'ai parlé, après 20 minutes, tu sais, la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meurt. C'est qu'il parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Donc Dieu ne veut pas ta destruction. Je parlais à la personne qui attachait l'enfant. Donc il faut partir. Mais il continue de trembler, de faire bouger l'enfant. Alors j'ai pris l'huile. J'ai mis la main. J'ai dit, Seigneur, la gloire, la puissance que tu as relâchée pendant les 48 heures, je l'envoie dans cette huile. Maintenant, c'est un feu liquide. Maintenant, c'est une bombe. Maintenant, elle va détruire tout ce qu'elle va toucher. Va être détruit. Quand cette huile va toucher cet enfant, tout ce qu'il attachait va lâcher. Quand cette huile va toucher cet enfant, tout esprit humain qui ne veut pas lâcher va mourir. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si tu ne pars pas, c'est ce qui va se passer. Je te laisse encore quelques minutes pour partir. Et puis il n'est pas parti. Donc 5 minutes après, j'ai dit, tu l'auras voulu. J'ai dit, Père, tu as dit que tu confirmes la parole de ton serviteur. Tu ne me laisses pas le choix. Au nom de Jésus, la main du Seigneur touche cet enfant.
Et toutes les paroles relâchées s'accomplissent aussitôt. Alors j'ai touché. Et tout à coup, aussitôt, sans avertir, l'enfant s'est redressé. Et je l'ai appelé par son prénom. Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu vas bien? Elle m'a dit oui. Lève-toi, c'est levé. Marche, marche. Aussitôt. Mande. Par contre, le lendemain, elle m'a dit une chose. Je l'ai vu le dimanche. À l'église. Elle me dit, pasteur, quand mon corps était en train de trembler, moi je me disais, il faut qu'on m'amène chez le pasteur Ivan. Et puis il y a des voix qui parlaient en moi. Ils disaient surtout pas lui. 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 Je t'annonce. Cette semaine, Dieu ne vient pas seulement enseigner. Dieu va enseigner. Et puis Dieu va parler. Il va parler. Donc vraiment, ce qui... Il faut vraiment dire aux montagnes, à ceux qui te combattent, à ces voix que tu entends à l'intérieur de toi, faut dire aux limitations, faut dire aux hommes forts assis dans ta famille, par les compassions de Christ, faut partir avant minuit. Dis-le. Faut partir avant minuit. Faut partir avant minuit. Parce que demain, faut dire demain, il sera trop tard. Demain, ça sera trop tard. Manto prédese que para. Ce que prédese que para, tout ce que para. Nebre se que to para, disse capa. Nebro soco prédese que para, disse capara. Prie un instant. Je veux que tu parles, Ne prie pas, dis que demain, ça sera trop tard. Commande à tous ceux qui combattent de ta vie. Faut leur dire, lâchez maintenant. Lâchez maintenant. On ne pourra pas m'enfermer. Déclare-le. Dis avec moi, on ne méprisera pas ma jeunesse. Je suis né pour briller, pour révéler Jésus, pour exceller dans cette vie. Je suis né de nouveau pour être un prodige dans ma génération, pour être un miracle vivant, pour être une merveille. Faut lâcher ma vie maintenant. Faut libérer ma vie maintenant. Ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller. Ça se produit cette semaine. Ma lumière doit briller.
Déclare, déclare. Ta lumière va briller. Elle doit briller. Ma lumière. Ce qui est vrai que toi, c'est ma chèque est mal. Ma lumière. Doit briller. Va briller. Ma lumière. Va briller. On ne pourra pas t'arrêter. On ne pourra pas t'arrêter. Ma lumière. Doit briller. Il faut lâcher ta vie. Ils doivent lâcher ta vie. Aujourd'hui, faut partir maintenant. 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 Ma lumière. Ma lumière. Doit briller. Ma lumière. Je parle à l'esprit de peur. Je parle à l'esprit de rejet. Je parle à l'esprit de découragement. Je parle à l'esprit de cécité. Il a attaqué tes yeux physiques. Et il a attaqué tes yeux spirituels. Il a voilé ta vision. Aujourd'hui, tu existes. Tu respires. Mais tu ne vis pas. Tu marches. Mais tu ne vois pas. Tes yeux physiques regardent. Mais tes yeux spirituels sont en train de tâtonner. Tu ne vois pas le futur. Tu ne vois pas d'espérance. Lorsque tu penses à demain, tu n'arrives même pas à te projeter. Tu n'arrives pas à rêver grand. Tu n'arrives pas à rêver grand. Le miracle le plus répandu de Jésus dans la Bible, c'est guérir les aveugles. Parce que, bien aimé, lorsque tu fermes les yeux et que tu ne vois pas, tu n'as pas de vision. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple est dispersé. On a demandé un jour à Hélène Keller. Hélène Keller. Elle était aveugle. Elle était sourde. On lui a demandé. Madame Keller. Oui, Madame Keller. Quelle est pour vous la plus grande tragédie dans la vie? Elle a dit la plus grande tragédie dans la vie, c'est d'avoir des yeux, mais de ne pas voir. Un des crimes que le diable commet envers la jeunesse, c'est de tuer la vision. Ce que quelqu'un a dit, quand il y a de l'espérance pour le futur, si tu arrives à voir ce que tu vas devenir demain, si quand tu fermes les yeux, tu arrives à voir loin. Tu arrives à voir grand. C'est ça que Dieu a dit à Abraham. Il y a des choses que la prière n'accomplit pas. Quand Dieu voulait montrer à Abraham son futur, la prière ne suffisait pas. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Parce que tu ne le vois pas. La première chose qu'il doit guérir,
La première chose qui doit guérir avant la guérison physique, avant la prospérité, avant un mariage heureux, la première chose que Dieu doit guérir, c'est ta vision. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois détermine ce que tu vas devenir. Mais si tu ne vois rien, et c'est le crime du diable envers la jeunesse, le problème, ce n'est pas la pauvreté. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est le manque de projection sur le futur. Si tu peux voir l'invisible, tu peux accomplir l'impossible. Alors voilà pourquoi Dieu a dit, quand Dieu a vu que Abraham doutait, sa femme était stérile. Pour lui donner la foi, Dieu dit à Abraham. Il l'emmène à l'extérieur. Et puis il dit à Abraham, contre la poussière de la terre, telle sera ta postérité. Regarde en haut, contre les étoiles. Et puis Abraham a été intelligent. Et Abraham a dit 1, 2, 3. Il y en a trop. C'est illimité. Dieu lui a dit, telle sera ta postérité. Ce que tu vois, c'est ça que tu vas devenir. Écoute-moi, jeunesse. Ton problème, ce n'est pas ta condition. Ton problème, ce n'est pas là où tu habites. Le diable a compris que si on veut tuer le futur de quelqu'un, ce n'est pas la peine de le mettre en prison. Parce que l'histoire biblique et l'histoire des pays, surtout en Afrique, est remplie de gens qu'on a mis en prison qui ont fini par devenir chef de l'État. Donc le diable sait que si on veut t'arrêter, il ne faut pas te mettre en prison. Ils ont mis Nelson Mandela en prison. Mais le secret de Nelson Mandela, le secret de Martin Luther King, c'est que même en prison, Arabe truie. J'ai une vision. Quel que soit là où tu es, si quand tu fermes les yeux, tu vois clair, la vision détermine la direction. La vision est la clé de la discipline. Le diable a compris que si tu veux arrêter quelqu'un, c'est pas l'enfermer dans la prison, c'est mettre la prison dans son cœur. La prison de la cécité. La prison du rejet. La prison de la peur. La prison du désespoir. Ce sont des prisons. La prison de la débauche. Ou l'impudicité. Ce sont des prisons. Ton problème, ce n'est pas là où tu es. Ce n'est pas ta condition. Ton problème, ce sont les prisons qu'on a mis en toi. Mais cette semaine, là où tes yeux étaient voilés,
tes yeux vont s'ouvrir. Vous savez, fantatrove, je suis pasteur d'une église qui a commencé en 2001. Zade ptante na fingunana zena numkatamni raisuru arrive. Avec une vingtaine de personnes. Ulara gopul maierteo ni arakatao. Et mais tu vois quand on a commencé. Feitanao, refananum kzaia. J'avais un rêve. Nanana nufnufia. Mon rêve c'était pas d'être pasteur. Ni nufnuf quoi? De tsue ula sa pasteur. Mon rêve c'était de voir la francophonie transformée. Fan nufnuf quoi? De hitan figenina zemten frantsay rehet youv. Mon rêve c'était de voir les lumières briller. Nufnuf quoi? De hitan ni faza fana mirapirat. Mon rêve n'était pas d'avoir un titre. Ni nufnuf quoi? De tsue a titrako. Mon rêve c'était pour la francophonie. Fan ni nufnuf de wan figenina mten frantsay. J'habitais en France. Zade mpeda katany France. Les églises étaient pauvres. Ni fingonana tany de mahantra. Les chrétiens étaient médiocres. Ni pintam zany fotoana zany de tena latsaka ambany. Les chrétiens faisaient pitié. Ni pintam zany kristianina tena mampalahelo. Quand tu voyais chrétien, rehefa mahita pino ianao kristianina, les païens se moquaient des chrétiens. De go tsy pino ndray mananiany andreo pino. Si c'est ça votre Jésus. Ozy izy hoe raha ohatra zao ny jesosinareo. Laissez-moi rester païen. De aleo any a tsy pino. L'église ne faisait pas envie. Ni fiangonana tena tsy mampite andeha ho any zany. Tout était misérable. Tena mampalahelo zavatra rehetra. Et un jour, je disais ça hier, un jour, des amis, mes collègues directeurs. De efa teneniko ty tamin'ny omaly hoe indray andro a ny namako izay direktera niaraka tamiko. M'ont dit Ivan, on veut aller dans ton église. Teny tamiko hoe Ivan, mba andeha hitsidika ny fiangonanao zay. Je les ai suppliés de ne pas venir dans mon église. Tena nangavy antrako mafy mihitsy hoe aza makany amina. Parce que j'avais honte de mon église. Satria tena menatra ny fiangonako a. Et je pleurais. Tuman, je me rappelle en 2000, fin 2001. T'as dit quoi, t'as fagani 2001? Je suis allé à une conférence à Londres. Des conférences à t'année Londres. C'était beau. Oh, t'es une tsaratari. C'était propre. Ma dieu. C'était excellent. T'es une tsaraindin taptuat. La sonou ne faisait pas mal aux oreilles. Ni fanamba fisape ouan c'est nakara souffle. Il y avait des BM, Mercedes, BM. C'était les chrétiens de l'église. T'es na BM, t'es Mercedes, y a pino. T'as où les frères? Moi, je venais de Paris. Ça vient de Paris, amnou. C'était compliqué. T'es na ça, BM double pied. BM double V, oui. BM double pied. Double pied. C'était compliqué. T'es na ça, t'as Tanzania. L'église ne faisait pas envie. T'es na tu m'as pas ni mis sur une des une pingouine. Et un jour, j'étais, c'était à la conférence des femmes. En 2001, moi je ne voulais pas être pasteur. Je voulais juste aimer et servir Dieu dans une église. Et j'étais dans un endroit où c'était tellement propre. À un moment donné, j'étais en train de réfléchir et je disais à Dieu. Comment se fait-il qu'il y a un fleuve qui nous sépare? On appelle ça la Manche. Vous avez famaninaga misirin ranoray la Manche futsin rom mapsarakanay. Comment se fait-il que quand tu vas chez les anglophones, c'est propre, c'est beau. Quand tu vas chez nous les francophones, tu as pitié, tu as envie de te cacher. Famanina kosa noe rehefa any amin'ny teny anglisy a tena madio, mafinaritra be tsara be, fa rehefa ty aminay teny frantsay a tena mampite hiafina. Alors j'étais assis au fond de la salle. Et puis je disais, ah Seigneur. De où j'avais tout pour. Tu as dit dans ta parole que tu ne fais pas de favoritisme. Mais pourquoi chez nous les francophones c'est toujours sale, médiocre? Les païens se moquent de nous. L'église ne fait pas envie. Seigneur, tu as oublié la francophonie. Et puis, je me suis mis à pleurer. J'étais au fond de la salle. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu as oublié la francophonie? Mais pourquoi c'est aussi médiocre chez nous? J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et puis à un moment donné, j'ai sursauté. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Va.
Oui, je vais. Quand tu rentres, que fait Moudeno? Enregistre une association. Te manumbu hein? Association en Akray. Je me servirai de toi. Fasa à piasano. Pour faire sortir. Ba amoka. Un type d'église. Amoka karazana fingunan. Un type de peuple. Karazana wul fawa. Que les païens ne pourront plus mépriser. Zai tu afaka rab rabin spinchun. Mais en les voyant. En voyant cette église que je ferai sortir, les païens te diront là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est sorti d'une vision. Une fois que ça t'a mené là, la vision, ce n'était pas une ambition personnelle. C'était une vision céleste. Téléchargée dans un cœur humain. Et aujourd'hui, 21 ans plus tard, une église qui a commencé avec 20 personnes. C'est devenu 120 églises. Mais chacune d'entre elles inspire le respect. Et à travers un homme insignifiant, en France, Dieu a fait sortir. C'est parti d'une personne. Ensuite, une armée s'est levée. Et Dieu a fait sortir des vies transformées et un édifice, des édifices que les païens, les incroyants, quand ils voient, ils disent, ça c'est impossible. C'est impossible. Il y a eu une réception la dernière fois à la Cité Royale. C'est ce que Dieu vient de construire. Dont j'ai parlé hier. 31 000 mètres carrés. 750 places de parking. Parking en automobile là, 750. Il faut que tu viennes voir ça. Mila tungane na wato viamen. Mila tungane na mtsenga san. Il faut que tu viennes voir ça pour que toi tu crois. Mila Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a du marbre partout. Fin marbre, nice and nice. Chaque barado, c'est que barado. Mon frère, ma soeur. Tu vois, aujourd'hui, c'est tellement choquant. Tu vois, ce truc-là, ça me rend humble. Parce que, je vais vous raconter, pendant les travaux, parfois je me baladais. Sur le site pendant les travaux. Et puis il y a les sociétés qui font les travaux, les sociétés de bâtiments qui sont sur le site. Et puis quand ils me regardent, eh hey, monsieur, quittez, dégagez. Parce qu'ils pensent que j'étais ouvrier. Mais quittez. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, c'est le patron. Tu tapes que tu as mis ce matin, pas taper, oui. Alors, je voyais les ouvriers.
Il me regarde. Il regarde le bâtiment. Il me regarde. Il regarde le bâtiment. Il me regarde. C'est le doigt de Dieu. Vous avez ratatana nan de mantra. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est ce qui va t'arriver cette semaine. San kun sa vati tangam nom tiegananti. San ni tangam nom. J'entends. Zazo maeno. Des conversations. J'entends le diable réprimander les démons. Je suis en train d'entendre ça tout de suite. On t'avait dit de le bloquer. On t'avait dit de le faire échouer. Elle ne devait pas se marier. Il ne veut pas étudier. Sa lumière ne devait pas briller. On t'avait dit. Toi, démon d'échec. Toi, esprit de rejet. Toi, esprit de pauvreté. Je vous avais confié la mission de le faire échouer. Comment se fait-il? Les gardiens de prison qui avaient été associés à ta vie. Ni te fuli te anum kai pet mafi rokarga feo kapian fikatana zena kintam ni nao. On avait dit. Rien de bon ne doit sortir de cette personne. Mais regardez ce qui est sorti d'elle. Regardez ce qu'elle est devenue. Regardez comment sa lumière brille. Regardez sa lumière. Regardez sa lumière. Rokoto sikapara, shakapara, iko pratisea. Oh, rokoto si, made sikapara. Shoe, mado keperete sikaparo. Shakapara kajasi. Bola iten masno. Y'a des sorciers. Miss Pamsaf. Que le diable va punir à cause de toi. Sai, ou pétesen te ful nouyenao. Mais comment il t'a échappé? Fanawana ouizi, nous n'a la sana fou. Tu devais l'enfermer. Mais regarde comment elle est en train de briller. C'est ça qu'ils ont fait avec Pharaon. San Zavadanaton Yarakatan Pharaon. Les magiciens. Repan magicien Nareta. Il y a des choses que la sorcellerie fait. Miskarazan Zavada, c'est vite une femme savine. Mais il y a des choses. Ou la sorcellerie ne pourra pas suivre. Il y a des œuvres qu'ils ne pourront pas suivre. Et quand les magiciens de Pharaon ont constaté que là, c'est une dimension que la magie ne peut pas faire. Les envoûtements ne peuvent pas faire. La magie blanche ne peut pas faire. Dieu va le faire à travers ta vie. Et quand ils vont voir ce que Dieu va faire de ta vie, ils vont dire comme les magiciens de Pharaon. Pharaon, on a essayé de suivre. On a essayé de bloquer. On a essayé de l'enchaîner.
Mais là, on n'a pas pu l'enchaîner. Parce qu'une main est venue la localiser. Et cette main, c'est le doigt de Dieu. On ne peut rien faire contre le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ce doigt de Dieu vient sur toi. Cette semaine, il vient sur toi. Ça c'est. Bien aimé. Remalala. On parle de la France. Ici que j'entends mon ban France. On parle de Paris. Ici que j'entends mon ban Paris. On parle de l'ex-puissance coloniale. Ici que j'entends mon ban Paris. On parle de l'ex-puissance coloniale. On parle d'un pays. Ici que j'entends mon ban Firenena. Ou que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que natino, natstino. Il y a la culture de la France-Afrique. De misfona le culte en France-Afrique. Ça veut dire. Dikenzania. Que ta couleur de peau. Oui, look new tao. N'est pas un avantage. De tstumben. Et ta couleur de peau. Fani look new tao. Te prédispose à des blocages. De mameta kanao amna tuegana tsmets misfetra fon. À des barrières. Amna misakana fon. À des peaux de banane. Ari misi ou tsakund. Attends, France. Rien que, on avait deux handicaps. Tika, nanana leskaru. On avait deux handicaps. Nanana leskaru sahai. Un. Foloni. Chrétien. Christiane. Oh, déjà c'est pas bon. Deux. Farou. Noir. Maint. On est allé voir une banque un jour. Tunga te loue na banque, ça y est, rayandwa. Et ils ont dit. De où c'est zareo? Hey. Africain. Africaine. On va leur prêter l'argent. Des EVP nous voulons, non? Ils vont amener notre argent en Afrique. Oui, tu es en Afrique, en Foulatique. Alors quelqu'un m'a dit, Denis, la prochaine fois, Manaraka, tu vas voir les banques. Il faut que tu banques, non? Va avec des Caucasiens. Des Mérailles, non? Amener la Caucasienne. Pour le smack foot foot, ça. Pour que ce soit acceptable. Amseya, bah, Ekin. Il ne faut pas aller. Asamakania. Pas montrer ta tête. Asasiwan tavano. Tu n'as pas la bonne couleur. Si, mette les looks now. Et moi j'ai dit. Des antennes. Mais dis-moi, quand les Qataris. De où j'avais. Les Dubaïotes. Refatunga nula tavian Qatar, ça fait Dubaï. Voir les banquiers. Refatunga nemni a pancre ni zigzag nula pancre. Des manana les savatini si on boulou en tout. Est-ce qu'on leur demande d'aller avec des Caucasiens? Des vanisana katakatam neve, magalana goul la foutre, mais comme ça. Moi vous voulez que j'aille. Moi, vous voulez que donc vous voulez que je m'excuse d'avoir la plus belle couleur de peau que j'ai. Vous voulez que je m'excuse? Dites-le. À ces banquiers. Avec ou sans eux. Dieu le fera. Et tu sais quoi? Dieu l'a fait. Oh, c'est le doigt de Dieu. Au cœur de la France-Afrique. Dieu a prouvé. Dieu a prouvé. Ce n'est pas une question d'endroit. Oui, je vais à ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de passé.
Mais quand le doigt de Dieu te localise. Et quand tu restes enceinte de la vision. Lorsqu'en 2020, il y a eu le Covid. On avait commencé le chantier. Il y a un ami, le Michael Lebeau, le directeur, le fondateur de EMCI TV. Michael Lebeau, le panougrani EMCI TV. Il m'appelle. Mais comment tu vas faire? Comment vous allez faire? C'est le Covid. Il n'y a plus d'argent. C'est la crise. C'est la pauvreté. Fini les finances. Il n'y a plus de dons. Comment vous allez faire? Je sortais d'un temps de prière où Dieu m'avait parlé. Alors, je lui ai répondu, Dieu manifestera la vision. Il me dit, mais comment tu vas faire? Je lui ai dit, écoute, j'ai essayé de m'inquiéter. J'ai essayé de trembler. J'ai essayé d'avoir peur. Je me suis dit, allez. Mot vibreur. J'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, j'ai essayé comme toi d'avoir peur, j'ai pas réussi à avoir peur. Parce que quand je rentrais dans la présence de Dieu, et quand j'ai commencé à adorer Dieu, mes yeux s'ouvraient, et je continuais de voir la vision du Tout-Puissant. Et je savais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Alors j'ai dit, si ce rêve vient de Dieu, il s'accomplira. Et tu sais quoi? Il s'est accompli. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame. Reclassia, sauce, fantatou, sauce, sauce, c'est le doigt qui vient sur toi cette semaine. You let down on the man to the man, sauce, sauce, sauce. Alors bien aimé, je vois ce doigt là venir sur une multitude cette semaine. Je veux te supplier, s'il te plaît, invite des gens, supplie-les de venir. Parce qu'une main invisible va souffler sur le Coliseum. Une présence va venir. Aujourd'hui, Antoine, c'est l'apéritif. Antoine bola fabdigana fuchina. C'est l'entrée. Youle bola entrée sakaf fabdigana. À partir de demain. Il me dit que 3 jours vont suffire pour lui. Pour ta résurrection. 3 jours. Une puissance va atterrir. J'ai pitié. J'ai pitié. Des adversaires. Et des ennemis. De ta destinée. Tu les chercheras. Tu ne les trouveras plus. Parce que la grâce
Satire fasuavana et transférable. De iampitio, azopitan fasuavan. La main invisible. La tanana tsitamash. Qui a fait de nous. Zainanawanai. Et qui a fait par nous. Ce que nous sommes devenus et ce que Dieu a manifesté, cette main veut venir sur ta vie. Jamais en Europe une église n'a construit quelque chose qui coûte 60 millions d'euros. Symbolanismiste en Europe, oui, nous faisons na mourna zavata 60 millions d'euros en viden. 1200 milliards. Ça s'est jamais vu. T'es un bon titan machin. Jamais. Bon, t'es un symbole. La Bible dit. Bible de Mlas. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Là où on a dit, rien de bon ne peut sortir de toi. Je suis venu te dire que des renforts sont arrivés. 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 Élève la voix. Je te supplie de ne pas rater ces trois jours. Mon frère, ma soeur, là où Dieu est, il y a abondance de liberté. Ça va commencer le matin avec les distributions de kits alimentaires, vestimentaires. Et les consultations médicales, c'est quand? Demain aussi, consultation médicale. Demain, consultation médicale. Rapizu. Mais pas les vêtements, pas la nourriture. Ok, la nourriture, c'est vendredi, et les vêtements, c'est vendredi. Ni sakafu, amsuma, te, ni kantsu, amsuma, fa. Rapizu, sonia, tsapun. Et à 14h. Agamrua. Ça va être le plus important. Yon tena sarbidio. La libération de ta destinée. Yon le famutsura nan en zara voten wanao. Je te supplie vraiment. Tena mengave nawa. Il y a une présence que tu veux répondre. Il y a une présence que tu veux relâcher. Il y a une main que Dieu veut étendre sur toi. Jeunesse de Madagascar. Peuple de Madagascar. Il y a une main que Dieu va étendre sur Madagascar et sur ta vie. Il y a des prisons sataniques en grand nombre qui vont s'effondrer cette semaine. Il y a des hôtels maléfiques qui vont prendre feu cette semaine. Il y a des familles et des destinées qui vont être relâchées cette semaine. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé des renforts. Le doigt de Dieu va venir sur toi. J'ai pitié des adversaires et des ennemis de ta destinée. Élève la voix là où tu es maintenant. Dis à Dieu que tu t'attends à lui. Dis à Dieu que tu ne seras pas contourné. Dis à Dieu qu'il va te visiter cette semaine. Dis à Dieu que tu vas le rencontrer cette semaine. Dis à Dieu que tu vas changer cette semaine. Bien-aimé, écoute-moi. Ne prie pas. Dis à Dieu. J'ai pas dit de prier. J'ai dit dis à Dieu. La femme avec la perte de sang n'a pas prié. Elle se disait en elle-même. Je vais le toucher.
Oui, je serai guéri. Elle ne priait pas. Elle se disait. Active une foi violente. La foi violente. C'est tu ne demandes pas à Dieu. C'est toi qui dis à Dieu ce qui va arriver. Comme la femme cananéenne. C'est ça la foi violente. Quand tu as la foi violente, Jésus est émerveillé. On lui dit femme, c'est pas ton temps. On ne prend pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Et je m'en fous. Même si ce sont les miettes qui tombent de la table des enfants, j'aurai quelque chose. Je repartirai avec quelque chose. Ça, c'est la foi violente. Et quand tu as ce genre de foi, tu vas honorer ta foi. Il y a deux mois. Non, même pas deux mois. On avait un programme. Programme, Zaya. On n'avait pas prévu de prier. C'était un programme de serviteurs, des ouvriers de l'église. Moi, je voulais clôturer le temps de prière. Et puis, l'esprit me dit non. Faut prier pour les malades. Faut un peu chasser les démons. C'est une réunion de travail. Et puis il me saisit pour prier. Et puis alors j'ai dit, avant d'aller manger, j'ai dit, Seigneur, il y a des gens qui sont venus malades. Ne laisse personne malade en sortant d'ici. Dès que j'ai dit ça, il y a une jeune fille de 12 ans atteinte de drépanocytose qui marchait comme ça. Elle marchait comme ça. Brusquement, pouf, sa jambe était guérie. Personne ne l'a touché. Et après, quand on est revenu l'après-midi, on a prié. Il y a eu des cascades de guérison. Mais il y a une chose qui m'a édifié. Il y a des gens qui sont venus témoigner. Il y a une femme qui était très malade. Et puis elle a témoigné. Elle a dit, moi j'ai dit à Dieu, je ne pars pas d'ici tant que je ne suis pas guéri. Donc, quand le pasteur Ivan a dit, on va clôturer. Elle est venue dire, elle a dit, moi j'avais dit à Dieu, je ne bouge pas de là. Tant que je ne suis pas guéri, il n'y aura aucune clôture. Et l'Esprit m'a dit, c'est à cause d'elle. Je t'ai poussé à prier. Il y a des gens qui ont une foi violente et qui vont attirer la présence de Dieu. Viens en disant à Dieu, cette semaine, c'est cette semaine. Cette semaine, c'est pas la semaine prochaine. C'est cette semaine. Je sortirai avec des témoignages. Je sortirai avec la gloire. Je sortirai avec ta splendeur. Je sortirai avec la lumière. Je sortirai transformé. Oh, si c'est à toi que je parle, ton amen comme le tonnerre. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ma desi que bradasi que para, ne bradosi que para dasi, ne bradosi que para dasa. Je te donne, écoute-moi. Alléluia. Je te donne une minute.
tu vas dire à Dieu ce qui va t'arriver. Une minute. Je veux que tu annonces. Dieu annonce toujours à l'avance ce qu'il va faire. Des classes vont se passer. Moi, je sors de là transformé. Je sors de là comme un tueur de géants. Déclare qu'à partir de cette semaine, personne ne t'arrêtera. Personne ne te résistera. Un tueur de géants va sortir de toi. Un écraseur de tête de serpent. Je te vois écrivain de l'histoire. Dans l'histoire de Madagascar. Ton histoire sera racontée. Ton témoignage sera raconté. Ils avaient dit. Rien de bon ne peut sortir de toi. Je t'annonce. Ta lumière. Ta destinée. Ta santé. Ta délivrance. Saute cette semaine. Au nom de Jésus. Et tu sais que voilà. Je te parle. Je. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est. Je voulais t'en aller. Annonce ce qui va t'arriver. Je veux que tu regardes l'esprit de peur. Je veux que tu regardes l'esprit d'échec. Je veux que tu regardes l'esprit de pauvreté. Je veux que tu regardes ces esprits. Fâche-toi. Ferme le front. Ferme le front. Et dis-le. Cette semaine, vous dégagez ma vie. Vous dégagez ma famille. Vous lâchez mon histoire. Élève la voix. Élève la voix. Ça, c'est le droit. Que tu sors. Déclare que tu sors. Sors. On ne pourra pas m'arrêter. Te dit.
Tu viens d'envoyer un message. Ils ont entendu. La peur. La peur. A changé de camp. Ceux qui t'effrayaient. Je les vois. Ils sont en train de dire. Il n'y aura aucune représailles à cette prière. Si Miss Minzi, Famalina Fat, Yaorina Zan Favaxan, tu risques de sentir la peur. Mais tu es tadi à Tawatsan, you know. Tu vas sentir que l'ennemi est paniqué. Il y en a qui vont sentir que leur corps commence à trembler. Faut lui dire. Je n'ai plus peur. Vous allez dégager ma vie, ma maison, ma famille, mon histoire. Et vous allez dégager. Vous allez lâcher Madagascar. L'Esprit me dit, Nom 14, verset 28. Salamu evadamifoul, andin faifatam falumropoul. Ils vont le mettre à l'écran. Nom 14, verset 28. Ils vont le mettre à l'écran. Apetom ni écran. Tel, vous avez parlé à mes oreilles. Oui, nagewa den resaka tamni soufk. C'est ainsi. Non, le nombre. Numéri. Nombre 14, 28. Numéri evadamifoul, andin fa falumropoul. Ce que tu viens de dire, c'est ça qui va confirmer. Il a dit tel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce que tu as proclamé là, c'est ça qui va s'établir. Ta vie. Crois-le. Change comme jamais auparavant. Pour changer une personne, Dieu envoie d'abord une parole. Il n'impose pas d'abord les mains. Il envoie d'abord la parole. La parole est gardée dans le cœur. Elle est réceptionnée. Comme la semence. Elle travaille à l'intérieur de toi. Pour faire sortir un enfant. Appelé miracle. Appelé prodige. Appelé témoignage. C'est ce qui va t'arriver. Dieu t'a donné un signe. Il t'a donné un signe. Il a fait traverser l'Atlantique à 300 personnes. Pour venir t'aider. Pour venir en renfort. Tu pries déjà. Mais chacun de nous transporte des grâces. Et ce que Dieu est en train de faire à Paris, dans la francophonie, il va le faire ici. Laisse-moi te dire,
L'église Fingunan ne sera plus méprisée. Les lumières ne seront plus éteintes. Tu verras. Au nom de Jésus, tu verras. Abba Père, nous te remercions. Tu as eu compassion de nous. Tu nous as conduits par ton esprit. Tu nous as inspirés. Selon ta volonté, tu as envoyé ta parole. Elle a commencé à guérir. Les cœurs brisés. Les yeux aveugles. Elle a commencé à guérir. Les corps malades. Les corps tourmentés. Ce n'était que l'entrée. Abba Père. Demain, après-demain, jusqu'à samedi, emmène-nous au cœur de ta volonté. Que ton règne vienne dans l'église. Et que ta volonté, cette semaine, soit faite à Madagascar. Exactement comme au ciel. Ce qu'il n'y a pas au ciel disparaît de Madagascar. Ce qu'il n'y a pas au ciel dégage de la jeunesse de Madagascar. Cette semaine, les lumières sortent des sépulcres. Cette semaine, la main qui a écrasé Pharaon va écraser les pharaons de Madagascar. Au nom de Jésus, si tu reçois cette parole, acclame-le. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. Je voulais finir en vous présentant mon dernier livre. Ça s'appelle Sortir des prisons intérieures. C'est le livre le plus puissant que je n'ai jamais écrit. Il est trop fort, je ne peux pas en parler. Il parle de ces prisons que le diable construit. It's okay. On est ensemble. Acclamez le Seigneur pour le pasteur, vraiment là. Je ne suis qu'un serviteur, un petit pasteur, esclave. Que Dieu te donne la voix pour tous les jours. Amen. Moi, je peux parler 3 heures, je ne bois pas d'eau. Faut boire, pardon. Faut boire, pasteur. Moi, faut pas me suivre. Moi. Sapakato. La voix est réglée par l'esprit. Elle va tenir toute la semaine au nom de Jésus. Merci vraiment, pasteur. Je suis content. Merci. Acclame le Seigneur. Vraiment. Je suis plus que content. Je suis privilégié de te servir. Je veux que tu dises à 5 personnes. Ma vie change cette semaine. Se quebra ti se quebra, se quebra da se quebra do si. Maintenant, écoute-moi. A qui tu ne nuis? Dis à quelqu'un. Que dis à quelqu'un. Tenez un homme nous la raille. Que tu crois. Oui, ou que tu crois pas. Na oui na mine non. Je te dis. Tenez moi là. La vie change. Mieux vaut fier nous. C'est fini. Vite ça. Vite. Acclame-le, 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 acclame-le. Ça, c'est le droit de Dieu, ça, c'est le droit de Dieu,
peut encore acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Il ne t'a pas oublié, il n'a pas oublié Madagascar. Alléluia. Nous voulons juste bénir Dieu. Élevons la main, nous allons juste bénir Dieu. Seigneur, merci pour cette entrée exceptionnelle. Merci de nous avoir parlé. Tu ne t'es pas seulement adressé à nous, mais tu t'es adressé à nous et aux 5 personnes que nous allons ramener pour ces 3 jours, où tu ramèneras la vie des destinées, où tu redonneras la foi, la joie, l'espoir. Tu as parlé et ta main va l'accomplir. Alors merci pour ce soir, merci pour ton serviteur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur et merci pour nous tous avec action de grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Alors pendant que je suis en train d'appeler la chorale, qui est la chorale des jeunes qui va prendre le relais, je tiens juste à rappeler demain. Alors, nous allons faire quelque chose. Mets ta main, levons nos mains. Et tourne-toi vers ton voisin. Et dis avec moi, Père de grâce, sur mon frère, sur ma sœur, sur nous tous, nous plaidons le sang de Jésus. Le sang parlera, le sang confirmera tout ce que l'Esprit a déclaré par la bouche de son serviteur. Je suis immunisé, protégé, préservé, garanti, consacré au nom de Jésus. Je reçois, moi et mon frère, les bénéfices du sang de Jésus le Christ. Avec action de grâce, au nom de Jésus, donne un bon amen fort. Alléluia. Alors, je rappelle juste que demain, dès 10h, dès 7h, nous avons la foire médicale. Donc, nous pourrons tous nous retrouver au Coliseum à partir de 7h. Amen. Alléluia, toute la journée. Et ensuite, nous allons enchaîner par la première session plénière au Coliseum. Donc, on pourra rester du matin au soir, si vous pouvez, au nom de Jésus. Amen. Alors, la foire médicale, c'est que ce sont des consultations. Si nous sommes malades, si vous connaissez des personnes qui sont malades, venez, vous aurez des différentes consultations, que ce soit si vous avez mal aux yeux, mal au ventre, peu importe. Il y a des médecins qui vont vous recevoir, qui vont vous consulter, et on pourra vous distribuer également des médicaments. Amen. Donc, c'est une consultation offerte. Donc, soyez là demain, quel que soit le mot que vous avez, en sachant que même si les hommes soignent, Jésus est capable de te guérir et Jésus te guérira. Amen. Donc demain, à partir de 7h, venez au Coliseum. Il y aura plusieurs consultations et ça durera toute l'après-midi. Et vous pourrez, tout le matin, à partir du matin, et vous pourrez enchaîner l'après-midi avec les sessions plénières. Amen. Amen. Voilà, d'une manière générale, voilà, elle est offerte. Amen, c'est offert. Donc soyez là et n'oubliez pas, on pourra continuer par la session plénière de l'après-midi. Et vendredi, ça sera la distribution des kits alimentaires. Amen, ça sera également offert. Kit alimentaire, kit vestimentaire. Donc la même chose, à partir de 7h, il y aura des distributions gratuites. Alléluia, on peut encore acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Et nous laissons la place à nos frères. Soyez bénis. Alléluia. Zazante anetananareo rapitso. Zare andriamanitra nandefa olona. Hoy fitenenana hoe tamin'korotana be izao tontolo izao. Dia teny andriamanitra hoe nisy mazava dia nisy mazava. Izay vao nisy mazava. Entsika fanatrehan'andriamanitra, entsika ny teny fiainana izay narefa teto androany. Fiainanao iova entrée izay mila le résistance ianao rapitso tsy ianao rery fa mitondra olona
Satina Sam Tina Noem Krutan Fienan, Ten Futsin and Jemantra Rapizua, on a Tufanatriana with any Pastor Yvon, De Yuvan Fiena Nul, Tinian Aurel Fayetu Nul, Tom Taol Nul, La Retra Tanura Piara Mianat, Fana Lefan and Jemantra Sadua, Ituda Fiena Watsik, Satina Mananat Kanzane, 2023, Naton and Jemantra Watsika Sanakan Jemantra et Tomatakaskar. Naton and Jemantra 2023, Zoleftun. Na lefa nula tel zato vyany anapitsika zao lefton tena asa diso anjara ny ratepa asa diso anjara hoe taol ny olona dia hitantsika iny fa mitsangana ny Madagasikara amin'ny alalantsika tanora reo ny tomboan'Andriamanitra azy a hitsangana ny Madagasikara hitsangana ny Madagasikara hitsangana Madagasikara amin'ny alalanao ao ho avy zantsika rapitso a lasa antsika Afaka mama no fiderana ho an'i Jesosy vetsika androany. Arantsika teto fotsy. Aza ny tanora. Skeretsy yarira mafia androany. Come on, come on, come on ne pas te louer. Téléphone mes mafs lisa, dem trottin, dem mes mafs, la cara que les mafs nous avons mené. Mettez un petit cas, manoup comme trottin, la foot snyat. Un, deux. De mes mafs. Comment ne pas te louer?
pas te louer. Comment ne pas te louer? Fallen. C'est comment ne pas te louer? Pousser des cris de joie. C'est pas fini. Il va en casser à nous à partager hier qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et c'est incroyable parce que sans se consulter, tous les grands hommes de Dieu qui sont venus ici ont dit cette parole. Esaïe 60. Et je vais mettre Madagascar avant. Et ça dit Madagascar. Lève-toi et brille. Amen. Mitsagan, poussez des cris de joie. Soyez bénis, les amis, soyez bénis, soyez bénis. En tout cas, soyez bénis, les amis. On se voit tous demain. Ramenez vos amis, vos familles, vos églises. On a besoin d'être inondés par le royaume de Dieu. À demain! Mitsangana ritanura, mitsangana fazamana naya. Zonwa tusadiu, mitsuru sai tukuleira. Mitsangana ritanura. Lève-toi et prie Madagascar. Mitsangana fazamana naya. Zonwa tusadiu, mitsuru sai tukuleira.